Hey, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler du cas Chancel Mbamba qui a été officialisé il y a 3-4 jours. Désolé, j'étais pas là. Donc, du coup, nous allons revoir son parcours et donner son avis. Voilà, c'est parti. Donc, voilà, international du République Dominicaine du Congo. Voilà, il est né le 8 août, un jour après moi. Oh, je savais pas. En 1994. À Kinshasa en République Dominicaine du Congo, voilà, il évolue depuis juillet 2022 à l'Olympique de Marseille au poste de défenseur central. Il peut également jouer milieu défensif, voilà, à voir. Donc voilà, son parcours. Donc parcours junior, il a joué à ES La Grasse, à M2, MK Echate au Congo, voilà les trois. Et après de 2011 à 2013 à Anderlecht. Et après, il est devenu pro à Anderlecht de 2013 à 2015. Puis 2015 à 2018, il a fait à Newcastle. Puis 2018 à 2022, Porto. Et 2022, Olympique de Marseille. Il est international congolais depuis 2013. Il a fait 64 matchs, 4 buts. Voilà. Alors, donc du coup, je vais vous donner mon avis sur le joueur. Je pense que c'était un joueur qu'on avait bien besoin, voilà, il peut jouer milieu défensif central en plus, comme Camara. Il va pas remplacer Camara, hein, mais je veux dire, voilà. On avait besoin d'un défenseur central, en plus il est libre, donc 0 euro à se faire sur lui, à part son salaire, voilà. Il fait 1m82, j'ai oublié, voilà, il est défenseur central, il a le pied fort droit, voilà. À voir, voilà, c'est vraiment pas trop qu'est-ce qui, voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous, ciao.